Bonjour à toutes et tous. Bienvenue, bienvenue à vous qui êtes dans la salle, bienvenue aussi à ceux qui nous suivent à distance. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Moraldo, oui. qu'on remercie vivement pour sa présence au nom de toute la MSH Alpes et pour une conférence qui s'intitule Pourquoi l'alpinisme est-il une pratique élitiste donc euh, L'objet de cette conférence est directement issu du travail de doctorat euh, des Delphines, qu'elle a soutenu, euh, préparé sous la direction de Bernard Laïr. Et euh, dans ce travail de doctorat, qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage qui s'intitule L'esprit de l'alpinisme, une sociologie de l'excellence du 19e euh, au début du 21e. Dans cet ouvrage, Delphine nous explique que l'esprit de l'alpinisme, qui a été codifié il y a 150 ans par une élite masculine britannique, et eh bien cet esprit de l'alpinisme est toujours aujourd'hui le modèle de référence auquel se réfèrent les alpinistes, malgré sa, dé sa démocratisation, ou plutôt sa relative démocratisation, mais également sa relative féminisation. Donc ce livre est... Passionnant. Il est destiné à un large public. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous engage vivement à le lire. Aujourd'hui, Delphine poursuit ses recherches en sociologie au sein de l'Institut Max Weber. C'est ça, du Centre de, Max Weber. Du, du Centre Max Weber, pardon, de l'École normale supérieure de Lyon. Elle est également enseignante en sociologie et en économie en classe préparatoire. Pour terminer, je vais juste rappeler le principe de ces conférences. Donc, Delphine va... Euh, on va lui laisser la parole pendant une trentaine de minutes et ensuite il y aura une période d'échange avec la salle qui va durer environ une demi-heure. Et on pourra poursuivre ces échanges au rez-de-chaussée de, de la MSH, par une, dans, puisque nous sommes invités tous à une petite collation pour clore cette conférence. Eh bien, Delphine, je vous laisse la parole. Merci. En vous remerciant de nouveau pour votre présence. Merci beaucoup. Je vais mettre mon chrono, comme ça, je pourrai voir où j'en suis. Bah merci d'être si nombreux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens dans cette salle euh, pour euh, m'écouter parler de mon travail et gagner cette loterie euh, pour, <rire> <rire> pour voir mon livre et une dédicace à la fin. Euh, alors, la question. Euh, de cette conférence, pourquoi l'alpinisme est-il élitiste euh, bah, Je vais d'abord montrer comment elle se pose dans mon travail, c'est vraiment la question au cœur de mon travail, et puis je donnerai quelques résultats. Alors c'est un travail assez euh, dense, on va dire, donc je n'aurai bien sûr pas le temps de tout aborder, mais on pourra en discuter pendant les questions. Alors cette question de l'élitisme, ou plutôt de l'excellence, qui est plutôt le terme que j'emploie, euh, elle est au cœur de mon travail, puisqu'il porte sur les grands alpinistes, ou le grand alpinisme, euh, depuis le milieu du 19e siècle. C'est-à-dire la période où l'alpinisme s'institutionnalise vraiment dans des clubs. Et le premier club alpin, c'est l'Alpine Club anglais en 1857. Euh, ça peut être contre-intuitif, mais c'est bien les Anglais qui euh, mettent en place le premier club. Et c'est une période aussi où des premières ascensions, donc des premières, euh, sont réalisées à une fréquence jamais atteinte auparavant. Voilà. On parle à cette période de la naissance de l'alpinisme sportif au sens où il est dénué d'autres motifs. C'est plus de l'alpinisme pour des raisons scientifiques ou pour des raisons artistiques. Je vous donne quelques éléments de, de contexte, mais vous, je, vu la tête du public, j'imagine que vous savez déjà des choses sur l'alpinisme. Et, euh, et après, j'entrerai dans le cœur de mon sujet. faut que je m'adapte à mon public. Euh, bah alors, généralement, on fait débuter l'alpinisme. Bon, il y a plusieurs dates, mais à l'ascension du Mont Blanc en 1786. Euh, mais pendant longtemps, le Mont Blanc, ça reste la seule montagne qui est vraiment, enfin, la seule ascension qui est vraiment réalisée. Et l'alpinisme sportif voit vraiment le jour à partir du moment où, plutôt dans les années 1840-1850, on a euh, des ascensions systématiques d'autres montagnes, et notamment des grands sommets alpins. Et donc cette période, les Anglais l'appellent l'âge d'or de l'alpinisme il la circonscrit dans le temps très précisément 1854-1865 et c'est une période qui voit l'ascension de la plupart des grands sommets alpins euh, voilà, sur 39 ascensions de sommets alpins majeurs il y en a 31 qui sont faites par des anglais ce qui peut toujours paraître surprenant et c'est l'époque de la création de l'Alpine Club sachant que euh, à titre de comparaison le Club alpin français le CAF n'est créé qu'en 1874 donc euh, Presque 20 ans après, en fait, le CAF est créé. Et donc, mon travail porte sur l'Angleterre, d'abord, en tant que berceau de l'alpinisme, et puis secondairement sur la France, pour montrer comment bah, l'esprit de l'alpinisme, je vais définir ce que c'est, qui a été codifié en Angleterre, forgé au Royaume-Uni, s'est diffusé éventuellement en France. Alors, c'est un travail de sociologie euh, historique, parce que bah, ma thèse, c'était une thèse de sociologie. Et ce qui m'intéresse, dans une perspective sociologique, c'est de regarder comment des facteurs sociaux, enfin pour faire simple, hein, l'appartenance à certaines classes sociales, à certains groupes, par exemple, influencent la manière de concevoir l'alpinisme euh, et va influencer la manière de le construire pour les premiers alpinistes. Et puis, je regarde aussi comment l'alpinisme s'inscrit dans des... Hiérarchie sociale, voire dans des rapports de domination entre euh, des individus qui appartiennent à des groupes différents. Donc, dans une perspective sociologique qu'on peut situer plutôt côté euh, Bourdieu, Laïr, euh, qui sont euh, la filiation dans laquelle je me situe. Donc, pour résumer, euh, mon travail pose deux questions, qui sont toutes deux en relation avec l'élitisme ou l'excellence. D'abord, je me demande ce qui fait la grandeur ou la supériorité, donc l'excellence en alpinisme. Qu'est-ce qui fait qu'on considère un alpiniste comme un grand alpiniste euh, ou une ascension comme une grande ascension. Et ici, il est question d'élitisme parce que je m'intéresse à l'élite de l'alpinisme, donc aux grands, grands alpinistes. Mais elle ne m'intéresse pas tellement en tant qu'élite euh, sportive, mais parce qu'elle est en position en fait, de dicter ses principes, euh, des principes qui vont former une sorte de modèle d'excellence pour le reste des pratiquants. Donc c'est comme ça que je l'envisage. Et l'excellence, pour moi, euh, elle a trois dimensions. C'est d'abord une manière de pratiquer. Une manière qui va évoluer au fil du temps. On peut pratiquer avec ou sans telle aide artificielle, par exemple, avec ou sans piton, avec ou sans oxygène euh, enfin, artificiel sur tel ou tel massif, etc. L'excellence, c'est aussi une, par... une manière de parler de soi-même euh, en tant que grand alpiniste. Comment est-ce qu'on va se définir Comment est-ce qu'on va raconter sa trajectoire, qualifier ses ascensions Et l'excellence, c'est aussi une relation aux autres, une manière de s'affilier à certains groupes et euh, de se distinguer d'autres groupes. Et toute une partie de mon travail porte sur bah, cette distinction envers les petits alpinistes, les touristes, les femmes alpinistes, qui ne sont pas vraiment considérées comme faisant partie de l'excellence, mais aussi les guides, euh, qui euh, pendant longtemps ne sont pas vraiment non plus dans l'excellence. Ouais. Euh, et ce que j'appelle l'esprit de l'alpinisme, qui est le titre de mon ouvrage, euh, bah, c'est toutes ces représentations, ces croyances, ces valeurs, ces principes. Euh, ces distinctions qui font l'excellence et qui constituent un modèle, euh, un idéal que tous les alpinistes n'atteignent pas, mais qui est incarné par les plus grands d'entre eux. Voilà. Tout ça, ça évolue au fil du temps. Bien sûr, euh, je suis en train de dire que l'alpinisme tel qu'il est codifié en 1850, c'est toujours le même aujourd'hui. Euh, mais il y a une sorte de conception de base, un espèce de fond commun, de principes, de règles, une éthique, par exemple, qui est un terme qui est souvent utilisé par les alpinistes, euh, qui demeure depuis le 19e et qui trouve ses racines au 19e siècle. Voilà. Et donc, c'est la genèse et la perpétuation de cet esprit qui m'intéresse dans mon travail. Alors, la deuxième question que je pose, c'est bah, justement d'où vient cet esprit Comment est-ce qu'il a été construit Par qui euh, D'où viennent ces valeurs qui forment cet esprit Et là encore, il est question d'élitisme, mais d'un élitisme social de ce point de vue-là, parce que c'est des hommes des élites sociales, donc des bourgeois anglais, qui ont codifié euh, l'alpinisme et qui ont forgé cet esprit. Et donc, dans mon travail, j'essaie d'expliquer, comme tu disais d'ailleurs, comme vous disiez. On doit se, vous voyez, euh, j'essaie d'expliquer <laughs> euh, bah, d'où vient cet esprit et comment il s'est maintenu, comment il a évolué, comment il a été transmis euh, d'un groupe à l'autre, d'un pays à l'autre, comment il s'est transféré jusqu'au début du 21e siècle, malgré les changements qui ont affecté l'alpinisme. Il ne s'est pas transféré tel quel, mais il y a cette base commune qui est demeurée et euh, bah, l'alpinisme s'est démocratisé, il s'est féminisé. La pratique a changé, elle s'est professionnalisée, il y a de nouveaux outils, de nouveaux lieux de pratique, l'Himalaya par exemple, qui sont apparus au fil du temps. Mais Malgré tout, ces principes se font communs et demeurent. Et c'est ça l'objet de mon travail. Donc je, je, je me sens plus sur ce qui reste plutôt que ce qui évolue. Voilà, qui est une autre perspective possible quand on étudie l'histoire de l'alpinisme. Alors pour rentrer bah, dans le vif du sujet, pourquoi euh, à l'origine... Euh, Enfin, pourquoi l'alpinisme est-il élitiste aujourd'hui bah Parce qu'il a été codifié ainsi euh, il y a 150 ans. Et selon moi, l'esprit de l'alpinisme aujourd'hui reflète encore, et pas seulement en Angleterre, même si les Anglais sont encore plus dans le cadre de cet esprit, sont très attachés à l'éthique, ils ont voilà, des, des, des principes très forts qui encadrent leur pratique. Bah, cet esprit il reflète encore aujourd'hui, d'une certaine manière, les caractéristiques, so les caractéristiques sociales pardon, de ceux qui l'ont codifié euh, en accord avec leurs valeurs et leurs idéologies. Et euh, ces premiers alpinistes, les membres de l'Alpine Club, c'est des hommes de la bourgeoisie britannique. Alors il y a plein de raisons qui font que euh, l'Angleterre, c'est le premier pays à avoir un club alpin et euh, à réaliser la plupart des grandes ascensions dans les Alpes. Alors que c'est quand même assez éloigné géographiquement des Alpes. Il y a un faisceau de facteurs. On a par exemple le fait que l'Angleterre se traverse une période de paix, de paix intérieure. Euh, elle n'est pas dans des conflits, euh, dans des guerres, ce qui leur laisse du temps. Alors que la France, elle est quand même dans de multiples conflits politiques tout au long du XIXe siècle, ce qui laisse du temps aux Anglais pour euh, bah, cette pratique de loisirs. Il euh, y a le courant du romantisme qui est très fort en Angleterre, euh, un attrait pour la nature vierge dans un pays qui est fortement industrialisé, qui est pollué. Euh, c'est le pays de la révolution industrielle et les alpinistes de l'époque, c'est curieux de se dire ça comme ça aujourd'hui, mais euh, fuient en fait les grandes villes polluées, euh, 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 enfin, qui sentent mauvais, où on ne voit rien à cause du brouillard, etc. Des choses qu'on n'imagine pas forcément à l'époque. C'est un pays du fait qu'il a connu euh, le premier la révolution industrielle, qui voit ses structures sociales changer et notamment il y a de nouveaux groupes qui apparaissent et une nouvelle bourgeoisie, bourgeoisie industrielle, euh, en ascension sociale qui prend de plus en plus de place et c'est eux qui vont pratiquer l'alpinisme. C'est aussi eux qui pratiquent le sport et l'Angleterre, c'est le pays où le sport apparaît, euh, le sport moderne apparaît et ce sport, cette pratique du sport, elle va influencer la manière de pratiquer l'alpinisme. D'autres éléments, bah, le, un, une idéologie impérialiste très forte euh, en Angleterre, qui a de nombreuses colonies et qui s'étend au XIXe siècle. Ça, ça influence aussi euh, cette pratique de l'alpinisme. On va dans les Alpes pour faire un, une sorte de conquête à petite échelle. Euh, et puis, il euh, y a le développement des moyens de transport qui fait que finalement, ce n'est pas si loin d'aller dans les Alpes pour ces hommes parce que le chemin de fer se développe et euh, le temps de trajet est, est considérablement diminué. Même s'ils si n'ont qu'un mois de vacances par an, parce que c'est des gens qui travaillent, ce n'est pas des aristocrates comme on pourrait le croire. En fait, ils ont le temps d'aller dans les Alpes et de faire des ascensions. Ouais. Alors, qui sont ces premiers alpinistes bah, Ça, j'ai pu le savoir en, en allant chercher dans les registres de l'Alpine Club, où c'est encore tout... Euh, Garder dans des gros registres, euh, voilà, dans un, dans un sous-sol. Alors, je ne vous montrerai pas beaucoup de, de graphiques, ce sera surtout des photos. Donc, j'ai épluché ces registres, euh, bah, à peu près 800 euh, noms, voilà, pour remarquer que c'était un groupe euh, très homogène, socialement et sexuellement. C'est en fait un groupe de gentlemen, euh, non pas d'aristocrates comme on le dit souvent, mais de bourgeois. Alors, en Angleterre, on dit la middle et la upper class. Désolée pour mon accent, euh, des bourgeois qui ont fréquenté les mêmes lieux d'éducation, qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes références. Et c'est important cette origine sociale. Alors là, je vous décompose les voilà les différents métiers. désolé c'est écrit en anglais de des membres de l'Alpine Club, mais en fait, c'est que des membres de la bourgeoisie quasiment. En fait, il euh, y a les autres là, 1% euh, voilà qui appartiennent pas aux, aux classes euh, favorisées. Euh, et l'origine sociale est, est très importante parce qu'il euh, y a une sélection sportive à l'entrée de l'Alpine Club. Il faut avoir fait un certain nombre d'ascensions de plus de à peu près 3000 mètres. Mais le principal critère de sélection dans ce club, euh, c'est l'éducation et le statut social. Le sexe aussi, c'est un critère de sélection puisque les femmes sont interdites. Et euh, l'Alpine Club ouvre ses portes aux femmes en 1974. Donc euh, très clairement, euh, on, il n'en est pas question en fait. Elles auront leur propre club euh, en Angleterre. Et en France, le CAF accepte les femmes mais dans le cadre d'une pratique assez contrôlée. C'est ce que montrent les travaux de Cécile Autogali, par exemple, que vous connaissez peut-être. Euh, voilà. Et la dimension raciale ou ethnique, elle n'est pas du tout envisagée de par son évidence à cette époque-là. Et en fait, c'est un système de cooptation, donc on a des systèmes de boules noires et de boules blanches. Donc quand on n'est pas accepté dans le club, on est black-boulé. Et il suffit d'une boule noire pour être pour dix boules blanches. Donc un, voilà, 10 des, que 10% des gens refusent pour qu'on ne soit pas accepté. Ce qui est très très strict et ce qui fait que bah, des, certains des meilleurs... Alors je vais vous montrer euh, voilà à quoi ressemblent les, les membres de l'Alpine Club à l'époque. En bas, on a Leslie Steven, qui est un des présidents de l'Alpine Club. C'est c'est voilà, de la bourgeoisie assez guindée. Euh, et on le retrouve, il est assis en blanc euh, à gauche, là, sur la gravure de Wimper. Euh, on a des alpinistes parmi les meilleurs de leur génération, qui sont par ailleurs des membres de la bourgeoisie, mais qui sont quand même... Euh, Blackboulet parce que leur milieu social ne correspond pas exactement à ce qu'on attend. Par exemple, Mumri, euh, qui est un des grands alpinistes de la fin du 19e, qui meurt dans l'Himalaya d'ailleurs, un des premiers à y aller, euh, bah, on le suspectait d'être commerçant euh, de, 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 alors qu'il était directeur d'une tannerie, donc c'était un industriel. On le suspectait d'être commerçant et non industriel, et euh, du coup il a été euh, refusé à l'Alpine Club avant d'être accepté un peu plus tard. On a aussi un autre membre qui est le fils du fondateur d'une agence de voyage très connue et les Anglais considèrent le tourisme comme quelque chose de vulgaire, donc il n'est pas accepté à l'Alpine Club. Donc on n'est même pas en train de parler du refus de classe populaire ou de classe moyenne, c'est vraiment euh, une très stricte sélection sociale. Ouais. Il y a une phrase célèbre qui est reportée par, rapportée par un membre de l'Alpine Club qui dit, euh, en désignant à un ami un balayeur dans la rue, et il lui dit lui, si c'était le meilleur alpiniste au monde, on l'intégrerait pas dans le club parce que c'est vraiment une sélection sociale avant tout. Alors, on a des avocats, des enseignants, des médecins, des officiers, euh, des businessmen, donc des banquiers, des industriels, etc., euh, qui forment bah, euh, toutes ces nouvelles classes sociales en, en formation, en fait, après la révolution industrielle et en expansion. Et sur le graphique qu'on voyait avant, il y avait seulement 800... Euh, en fait, ces, ces données, elles sont sur 800 personnes, bah parce que du fait de cette sélection très forte, il y a très peu de membres au sein de l'Alpine Club. Voilà. Alors qu'au CAF, il y en a quasiment dix fois plus euh, au même moment, alors que le CAF est créé beaucoup plus tard. Donc c'est pas du tout la même politique de recrutement dans ces deux clubs. Et là, vous avez Leslie Stephen en bas à droite, donc euh, qui a été président de l'Alpine Club dans les années 1860, pour donner un exemple. Il est issu d'une grande famille d'intellectuels, donc c'est le fils de Sir James Stephen qui est sous-secrétaire aux colonies. C'est le père de Virginia Woolf, l'écrivaine. Euh, il a étudié à Eton et à Cambridge et il est professeur en philosophie à Cambridge. Donc c'est un milieu quand même très cohérent. Voilà, il n'y a pas de surprise ici. Et ce qui est intéressant, quand on lit des travaux d'histoire de l'alpinisme parfois, c'est qu'on entend que c'est un club aristocratique, rempli d'aristocrates. Et moi, je vois des commentaires de mon livre où les gens écrivent "Elle nous décrit ce club d'aristocrates", mais c'est pas le cas. C'est un club de bourgeois. Il y a très peu de nobles en fait. Il y a moins de 5% des membres qui sont nobles. Euh, parce que c'est vraiment cette nouvelle classe sociale là qui forme les gros de ce club. Et par contre, si on dit aristocratique, c'est parce qu'ils ont un comportement qu'on peut qualifier d'aristocratique. Ils cherchent à se distinguer de la masse, ils méprisent les touristes, euh, ils ont une relation de euh, maître par rapport aux guides qui sont leurs serviteurs. Donc ça, c'est un comportement aristocratique. Et puis autre chose, c'est qu'ils se considèrent comme des gentlemen, qui est le terme qu'ils utilisent. Et un gentleman, ce n'est pas forcément un gentilhomme au sens français du terme. Le terme, il a évolué et il désigne en fait un ensemble de qualités. Quand on est un homme droit, euh, avec un sens de l'honneur, euh, euh, du sang-froid, par exemple. Tout ça, ça forme les qualités du gentleman. Et c'est des qualités qui sont euh, associées à une forme d'éducation. Et une éducation bah, dans ces écoles très sélectives, ces internats pour garçons, euh, dans lesquels sont allés ces, ces alpinistes. Donc, ils sont allés dans des public schools, ces internats fermés pour garçons, ils sont allés à l'université, et c'est là qu'on devient un gentleman. Voilà. Donc on a un groupe très fermé qui, qui possède un vrai esprit de corps et qui va en fait demeurer quasiment identique pendant une centaine d'années, avant que ça s'ouvre un petit peu plus, ce qui fait que bah, pendant une centaine d'années, ce groupe fin, est très homogène, partage les mêmes valeurs, les mêmes idéologies règne pendant longtemps sur l'alpinisme mondial. C'est les premiers à aller dans les Alpes. Ensuite, ils vont, aller, ils vont avoir un, une ouverture sur l'Everest. Ils ont une sorte de monopole sur l'Everest. C'est les seuls à pouvoir y aller. Et les autres pays, bon, je ne développerai pas ça maintenant, mais on voit que la France, même si elle ne partage pas la même optique vraiment en matière d'alpinisme, bah, respecte, en fait. vénère presque, prend pour modèle ces alpinistes euh, et se félicite d'avoir des alpinistes de l'Alpine Club qui font partie du CAF, par exemple. Donc, cette... Ils vont jouer un rôle de modèle un peu avant d'être dépassés, critiqués, et puis voilà, l'alpinisme évolue et prend d'autres directions. Mais pendant longtemps, il reste suffisamment longtemps en fait dans, au sommet de l'alpinisme mondial pour que leur conception de l'alpinisme s'impose. Alors justement, je vais revenir sur quelques-unes de leurs idéologies pour comprendre, euh, bah voilà, quelle était leur conception de l'alpinisme, et qu'est-ce que c'est que l'esprit de l'alpinisme finalement Qu'est-ce qu'il en reste Alors parmi ces idéologies, l'impérialisme. Euh, L'alpinisme britannique, du fait du contexte, s'est vu à l'époque comme une forme d'exploration et de conquête. Et euh, les ascensions, quand on lit les textes de ces alpinistes, c'est souvent une occasion de montrer la domination de la race anglaise, euh, de participer au prestige national. Et euh, bah, ces alpinistes, en fait, euh, considèrent qu'ils euh, ouais, qu contribuent à la gloire de l'Empire britannique euh, quand ils réalisent une ascension. Et dans les représentations... C'est assez marqué. Alors là, c'est l'ascension du Servin, C'est une gravure de Wimper. On voit son nom en bas. Et Wimper se représente victorieux au sommet du Servin avec son guide Michel Cross qui est en dessous. Euh, et je trouvais qu'il y avait un parallèle avec la photo de Maurice Herzog sur la Napurné un peu plus tard. Donc, voilà. Cette représentation de l'homme victorieux au sommet euh, qui, qui tient un drapeau, un piolet ou quoi que ce soit, un bâton, un chapeau, ce qu'on veut. <laughs> euh, bah, pour les Anglais, ça s'inscrit vraiment dans une idée de conquête de sommet. En fait, c'est pas seulement le plaisir d'arriver à un sommet. C'est vraiment l'idée qu'on participe au prestige national. Et chez les Anglais, ça s'incarne dans le choix des ascensions qu'il faut. C'est pas, enfin, le choix des ascensions qu'ils vont réaliser. Ce n'est pas seulement la difficulté d'une ascension qui va primer. Pour eux, c'est vraiment la nouveauté. Il faut être le premier sur un sommet. Euh, et puis, euh, bah, une fois que les sommets alpins sont tous escaladés par les voies les plus simples, ils vont aller vers d'autres massifs. Ils ne vont pas chercher directement la difficulté sur un sommet. Ça, ça reste encore aujourd'hui dans la manière. Il y a d'autres choses hein, qui y contribuent, mais dont l'alpinisme se euh, conçoit encore comme une forme de conquête et en tout cas jamais comme une forme de compétition. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver le terme compétition. Euh, utilisés par les alpinistes. Bien sûr, il y a des nations en concurrence les unes contre les autres, des alpinistes en concurrence les uns avec les autres. Mais euh, quand on les interroge, le terme compétition, il y a plus l'idée d'être le premier à aller quelque part. Euh, le vocabulaire change, mais voilà, on... cette idée de conquête, en fait, elle reste quand même au fil du temps. Et c'est pour ça que je vous avais mis euh, aussi l'image de Annapurna, premier 8000 ici. Euh, voilà. Il y a toujours une suspicion vis-à-vis -vis de la compétition. Ce, cette suspicion vis-à-vis -vis de la compétition. Elle tire aussi ses racines, c'est pour ça que je disais c'était un peu plus compliqué que ça, euh, du fair play sportif. Une autre idéologie très importante pour ces Anglais, bah, c'est l'idéologie sportive. Et euh, à la même époque en Angleterre, au milieu du 19e, le sport moderne s'invente, se codifie et est pratiqué dans ces écoles pour garçons, donc c'est un, masculin uniquement. Et ce que je remarque en lisant les travaux des alpinistes, c'est que... Euh, bah, ces alpinistes, ils importent le fair play sportif dans l'alpinisme, tous ces principes qu'on leur a inculqués sur les terrains de sport, euh, le fait de respecter des règles, euh, un code de l'honneur, le fait de souffrir en silence, de se dévouer pour son équipe, euh, de respecter son adversaire, par exemple, tout ça, bah, ça contribue à forger une éthique dans l'alpinisme qu'on retrouve encore aujourd'hui et qu'on appelle comme ça aujourd'hui. L'éthique de l'alpinisme, c'est assez clair quand on lit les écrits par exemple de Leslie Stevens que j'ai montré avant. Euh, bah, L'éthique sportive, elle se traduit dans l'alpinisme par l'idée que être fair play dans l'alpinisme, c'est laisser une chance à la montagne. C'est euh, ne pas euh, se donner trop les moyens de vaincre facilement. Et ça explique que les Anglais, dès le début, ont des débats très forts sur l'utilisation des aides artificielles qu'ils utilisent. Même la corde, au début, est rejetée par certains qui considèrent que c'est tricher. Que d'utiliser une corde. Et du coup, sur les massifs anglais où ils font aussi de l'escalade par ailleurs, ils laissent la corde pendre à côté d'eux en se disant Bon, si jamais je tombe, je pourrais la rattraper, mais tirer sur une corde, c'est quand même tricher. Alors, la corde finit par être acceptée parce que les ascensions deviennent trop difficiles. Mais ensuite, bah, ça va être l'oxygène. Énorme débat dans les années 20, euh, lors des premières expéditions sur l'Everest, parce que certains veulent utiliser l'oxygène et d'autres disent que c'est tricher. Et la réponse de ceux qui veulent utiliser l'oxygène, c'est oui, mais l'Everest, c'est quand même un adversaire supérieur aux autres, donc ce serait fair play quand même d'utiliser l'oxygène parce que l'Everest, c'est une très grande montagne. Donc il y a des débats vraiment qui reprennent les termes du fair play sportif euh, et qui forment vraiment le enfin le fond de l'éthique euh, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui. Parce que les alpinistes et les grimpeurs aussi euh, qui dérivent de l'alpinisme parlent tout le temps d'éthique en fait. Bah, l'éthique, on voit que ses racines, c'est vraiment le sport. Euh, euh, une citation célèbre qui me permet de vous montrer euh, Albert Frédéric Mummery qui est l'alpiniste dont j'ai parlé tout à l'heure qui avait été blackboulé au début. Là, il est sur le Grépon. Euh, donc, Très grand alpiniste de la fin du 19e siècle, bah, par exemple, il n'avait pas pu aller plus loin sur son ascension de la dent du géant euh, parce qu'il euh, bah, était bloqué, en fait, pas très loin du, du sommet. Et il refusait d'utiliser des aides artificielles pour progresser, de planter des. des pas ce qu'on appelait pas encore des pitons, mais voilà, dans, dans le rocher. Et du coup, il avait dit que cette voie était euh, inaccessible par des moyens loyaux, inaccessible by fair means. Donc fair means, fair play, bah, parce que voilà, ça valait pas le coup de le faire en trichant. Euh, et bah, ce respect de l'éthique il va vraiment jouer comme une barrière euh, qui sépare l'élite de l'alpinisme du reste des alpinistes et on voit encore aujourd'hui les ascensions les plus éthiques c'est les ascensions les plus respectées euh, j'étais euh, au Piolet d'Or euh, il n'y a pas très longtemps et voilà le style alpin dans l'Himalaya c'est quelque chose qui, est, qui constitue le summum de ce qu'on peut faire aujourd'hui parce que c'est le style le plus éthique, bah, c'est normal on n'utilise presque rien on n'utilise pas les cordes fixes, on n'utilise pas les camps de base etc... Voilà. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord, c'est que l'éthique, elle voit ses justifications changer au fil du temps. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus, j'ai l'impression, de, de protéger la montagne. C'est plus tellement l'idée qu'il faut faire, il faut se battre contre un adversaire, respecter son adversaire ou jouer à armes égales, se battre à armes égales, mais qu'il faut protéger la montagne, ne pas l'abîmer, etc. Euh, mais le principe au fond reste le même en fait. L'argument écologique vient remplacer l'argument sportif, mais finalement on est toujours dans le même principe de limitation des aides artificielles. Voilà. Euh, et je pense que derrière les, les justifications qui changent, bah, on a quand même ces principes hérités des Anglais euh, au XIXe siècle. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que si l'éthique, le fair play, là, vient du sport, euh, bah, l'alpinisme va très vite se distinguer du sport parce que le sport se professionnalise, les autres sports. Hein, se professionnalise, se démocratisent, et les Anglais refusent euh, d'admettre ces évolutions. Et pour eux, le sport, ça devient vite un repoussoir parce que il est indigne, il est vulgaire de gagner de l'argent en pratiquant une activité qui est censée être un loisir de gentleman qui fait à côté de son travail. Et il est surtout impensable d'admettre des classes populaires au sein de l'Alpine Club. Donc, si c'est des sportifs à l'origine, ils restent crispés sur une conception très amateur très archaïque en fait du sport qui devient très vite plus la conception du sport qui est partagée et on le voit à partir du moment où euh, bah, l'alpinisme dans les autres pays euh, commence à se démocratiser ou dans les autres pays on commence à utiliser ce que les anglais considèrent comme des moyens non loyaux en fait de, de, de pratiquer des ascensions les pitons par exemple bah, les anglais restent vraiment crispés sur leurs principes parce que pour eux c'est une forme de dignité qui est attachée à un statut social il y a tout un un débat, je donne cet exemple, le temps passe vite, euh, à l'époque sur euh, l'alpinisme rocheux. Alors ça, c'est presque la même photo que Mamrie, mais ce n'est pas la même personne. Ici, c'est un alpiniste anglais qui s'appelle Owen Glynn Jones euh, et qui pratique dans le Lake District dans les années 1890. Et par exemple, ce type d'alpinisme acrobatique bah, est mal vu par les, euh, le cœur de l'Alpine Club parce qu'on considère que c'est un usage un peu dégradant du corps et que euh, bah, c'est un usage un peu gymnique, un peu acrobatique, et ça c'est un usage propre aux classes populaires, par exemple. Donc il y a très vite une hiérarchie des types d'ascensions entre bah, les ascensions, les expéditions lointaines qui demandent beaucoup de préparation, beaucoup d'argent, etc., qui est le summum de l'alpinisme, et puis en bas, on a l'alpinisme rocheux, qu'on appellerait peut-être de l'escalade aujourd'hui, même si ce n'est pas exactement ça, qui, renvoie aussi, qui attire des populations moins euh, favorisées. Mais sans être, lui c'est quand même un bourgeois, hein, euh, et qui fait appel à un usage du corps qui est considéré comme vulgaire par ses alpinistes. Alors Owen Bingent il est assez critiqué, il rentre quand même à l'Alpine Club, mais euh, c'est pas très bien vu parce qu'il euh, est professeur de physique dans une école assez renommée, donc ça va, il est professeur, tout va bien, mais par contre c'est le fils d'un maçon euh, et il a connu une ascension sociale. Et en fait il n'est jamais vraiment accepté euh, au sein de l'Alpine Club. On le, on le suspecte d'être non sportif, unsportmanlike, c'est-à-dire de pas vraiment être fair play, d'être trop vaniteux, de vouloir la compétition. Et comme je disais tout à l'heure, bah les alpinistes, ils refusent le terme de compétition aujourd'hui. Et ça va aussi de pair avec ça. Quand euh, moi j'ai fait quelques entretiens pour ma thèse, euh, les alpinistes ne veulent pas parler de compétition, ils ne veulent pas parler de sport. Euh, c'est un terme qu'ils refusent d'utiliser. En fait, euh, ils vont parler d'aventure, de loisirs, de style de vie, euh, d'art, de religion même. Enfin, voilà, ils vont utiliser des termes périphériques, mais ils vont refuser d'utiliser euh, le terme de sport pour décrire l'alpinisme en disant que l'alpinisme c'est plus que ça, c'est autre chose que le sport. Là, de manière assez rapide et schématisée, c'est plus compliqué que ça. Bah, on peut voir que ça a des racines qu'on n'imaginerait peut-être pas. Euh, voilà. Et euh, on le voit dans les débats autour des piolets d'or, par exemple, qui qui ont lieu chaque année, les Anglais, une année, ont refusé d'attribuer les piolets d'or. Ils l'ont donné à tout le monde en disant qu'en alpinisme, on n'était pas comme les autres sports, on hiérarchisait pas les ascensions. Donc maintenant, ils en donnent plusieurs. Mais ça, ça reflète bien ça, en fait, cette volonté de ne pas tomber dans une sorte de dérive sportive. Alors, ce que je regarde aussi, et je vais finir là-dessus parce que ça avance vite. Donc là, je vous, montre, je vous montrerai les photos au fur et à mesure c'est que cet élitisme il va s'incarner dans la manière dont les alpinistes vont considérer les autres groupes, et pas forcément qu'au 19e siècle, mais ça va continuer par la suite. Ils vont établir une espèce de hiérarchie des usagers des montagnes, hiérarchie dont ils occupent le sommet, et puis euh, bah, avoir un mépris plus ou moins fort pour ceux qui n'ont pas la bonne manière d'approcher les montagnes. Alors, ils vont mépriser les alpinistes des classes populaires, quand ils vont arriver, parce qu'ils n'auront pas les bons usages de la montagne. Ils vont mépriser les touristes. Euh, ce mépris des touristes, il est très ancien en fait, et on voit déjà dès l'époque de... Alors ici, c'est Lesti Stephen et son guide. Euh, Lesti Stephen, il est à droite, c'est vrai qu'avec le costume, on ne les remarque pas forcément. On le reconnaît à sa barbe. Euh, dès cette époque-là, on critique les touristes qui viennent envahir les montagnes, euh, qui sont bruyants, euh, qui respectent pas la tranquillité des sommets, euh, euh, qui euh, voilà, n'ont pas les bons usages des montagnes, et qui appartiennent pas exactement la même catégorie sociale non plus. Donc ça, c'est un discours qui est très ancien et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a un, une, un, une forme de mépris, en fait, ce n'est pas vraiment du mépris, mais une attitude ambivalente envers les guides. C'est pour ça que je vous ai mis euh, cette photo de guide. Euh, du fait que les guides gagnent de l'argent euh, en pratiquant l'alpinisme, eh pour les alpinistes de l'époque, et ça reste assez longtemps, en fait, cette attitude, ils ne sont pas vraiment considérés comme des alpinistes. Les alpinistes, comme Leslie Stéphane ici, euh, admettent que les guides sont meilleurs qu'eux, qui pourraient pas réaliser les ascensions qu'ils font sans l'aide des guides. Donc ils le disent, euh, il est bien meilleur que moi, de toute façon il s'entraîne toute l'année, euh, euh, mais il a un privilège non mérité puisqu'il s'entraîne toute l'année, et euh, puisqu'il gagne de l'argent de cette pratique, on ne peut pas le considérer comme un alpiniste. Donc de manière assez paradoxale, tout en admettant qu'ils pourraient pas réaliser leurs ascensions sans l'aide des guides. L'alpinisme sans guide, c'est ça commence à la fin du 19e siècle. Donc pendant longtemps, l'alpinisme reste avec guide. Euh, bah, tout en admettant que les guides sont essentiels pour la réussite des ascensions, c'est comme si les guides n'avaient pas fait les ascensions en fait. C'est pas des alpinistes à part entière parce qu'ils font, ils jouent à jouent un autre jeu en fait. Et comme c'est des sportifs, ces alpinistes utilisent des comparaisons et vont dire, euh, c'est comme si un joueur de cricket. Euh, euh, s'entraîner toute l'année et que nous on pouvait s'entraîner que trois semaines dans l'année, euh, bah ce serait injuste d'être mis sur le même plan et qu'en plus lui il gagnait de l'argent et pas nous. Euh, voilà. Donc, euh, du fait de cette crispation sur une conception très amateur de l'alpinisme, très socialement située, bah, les alpinistes vont euh, refuser d'inclure les guides dans l'alpinisme. Et encore aujourd'hui, il y a une valorisation de l'amateurisme qui est assez forte et quand on interroge des guides, bah, on voit qu'il y a parfois une forme de. D'ambivalence même sur leur propre métier. Moi, j'ai des guides qui m'ont dit ah, c'est une, une forme de prostitution ce que je fais, euh, la montagne. Il euh, ne faudrait pas gagner de l'argent en faisant de la montagne. C'est ce que disait Lionel Terret dans son dans Les Conquérants de l'Inutile, qui est un, son autobiographie. Il dit que guide, c'est une prostitution honorable. Voilà. Et cette espèce d'ambivalence, bah, elle a aussi ses racines peut-être dans, dans cette conception victorienne de, de l'alpinisme. Et, et les guides, d'ailleurs, aujourd'hui, ils établissent des hiérarchies. Il y a les clients forts qui sont des bons clients, et puis il y a le côté répétitif de faire des monts blancs. Ça, c'est la version peu intéressante du métier de guide. C'est un métier qui permet de gagner de l'argent, mais qui ne laisse pas du temps pour ses projets personnels. C'est toujours un peu bizarre d'être ami avec son client et de gagner de l'argent, etc. Donc il y a quand même quelque chose qui reste de ça. Une autre, je vais finir là-dessus, une autre manière dont l'élitisme peut en pratique s'exprimer de manière très claire. C'est euh, par rapport aux femmes alpinistes. Euh, bah, elles sont exclues des clubs anglais. Au sein du CAF, elles pratiquent, mais sur la surveillance de euh, d'hommes, en fait, de leurs maris, de leurs frères, etc. Et les femmes, euh, en fait, elles ne font pas partie de cette conception de l'alpinisme originel. L'esprit de l'alpinisme les exclut. C'est un esprit qui est fait pour des hommes par des hommes. C est, c est, ça correspond à des codes masculins. Et euh, les femmes n'ont pas leur place dans cet esprit-là. Et donc, euh, ce que je montre au long de mon, tout au long de mon travail, donc là, on a une alpiniste victorienne qui s'appelle Elisabeth Leblon, euh, qui est une des rares femmes à avoir écrit son autobiographie et qui pouvait pratiquer l'alpinisme parce qu'elle avait beaucoup d'argent et qu'elle pouvait du coup employer des guides et s'éloigner de la bonne société euh, londonienne. Et ce qu'on voit, c'est que bah, quand on étudie les écrits des alpinistes au fil du temps, on voit que euh, ce, cette masculinité, elle s'exprime dans des représentations. Euh, les femmes sont euh, considérées comme des, euh, des secondes de cordée, comme des mauvaises alpinistes. Et puis il y a tout un vocabulaire sur la montagne, la montagne vierge qu'on va déflorer, etc. En fait, tout ça, ça se conjugue pour montrer que les femmes, voilà, l'alpinisme c'est quelque chose de masculin, c'est une forme de conquête masculine. Euh... Et ce qu'on voit, c'est que bah, les femmes sont très longtemps reléguées à des rôles de secondes cordée euh, et ce que je montre dans mon livre, c'est qu'elles vont élaborer des stratégies au fil du temps qui sont différentes pour se faire une place dans un milieu très masculin qui, à l'origine, ne leur laisse pas de place. Ici, on a une cordée féminine euh, assez connue de, avec deux, Fran enfin, deux Françaises et une Anglaise des années 30. Une des stratégies de ces femmes, c'est de pratiquer entre elles, puisque quand elles pratiquent avec les hommes, elles, euh, on ne leur laisse pas les beaux rôles dans les cordées, par exemple. J'avais aussi euh, quelque chose à dire sur les alpinistes de milieu populaire qui finissent par rentrer dans l'alpinisme. Là, je suis revenue aux origines, mais voilà. Donc là, je vous mets juste une photo de... Alors ça, c'est des alpinistes anglais que vous connaissez peut-être si vous êtes familier de... Alors, c est, c est, ils ont toujours la cigarette à la bouche. C'est très caricatural. Vous avez Don Whelan euh, en haut à droite. Sur le pilier du freiné, vous avez euh, Joe Brown en bas à droite. Ça, c'est des alpinistes vraiment de milieu populaire qui, euh, bah, dans les années 50, en fait, vont euh, arriver sur la scène alpinistique anglaise, qui est quelque chose de nouveau, finir par intégrer l'Alpine Club. Euh, mais ce que je montre, pour le faire rapidement, c'est que ils viennent de milieux complètement différents. Ils viennent pas du tout des traditions euh, antérieures, mais ils vont reprendre en fait euh, l'esprit de l'alpinisme tel qu'il a été codifié, et ils vont essayer de faire encore mieux. Que les alpinistes bourgeois qui les ont précédés. Donc ils vont aller plus loin dans l'éthique, ils vont monter d'un niveau en fait, mais sans, sans vraiment euh, contester en fait cette manière de penser l'alpinisme. Parce que c'est déjà ancré c'est déjà une conception dominante. Donc euh, on voit que les outsiders quand ils arrivent, bah, vont même approfondir encore plus, durcir encore plus euh, ces principes qui ont été forgés par des gens socialement complètement différents. Et puis en France, on a aussi des alpinistes de milieu populaire qui arrivent à la même époque, et même un peu avant, on a Pierre Alain, par exemple, dans l'entre-deux-guerres. C'est d'autres mécanismes qui font que ces alpinistes arrivent. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais on a un peu le même, le même principe en France, qui est quand même moins élitiste que l'Angleterre. Je vais m'arrêter là. Ça fait 34 minutes et 11 secondes. Et j'ai dit quelques... Voilà, bon, s'il y a des questions, je pourrais approfondir un petit peu. Bah, merci. Applaudissements Applaudissements